Je m'appelle Ami. J'ai 38 ans. Je suis mariée depuis 15 ans. Mais mon premier mari est décédé. Je me suis remariée avec un autre qui vit avec le virus. Et je vis avec lui depuis 5 ans. J'ai aussi un enfant. Je m'appelle Anta. Je suis une femme mariée et j'ai 37 ans. Je suis mère d'un garçon de 3 ans qui est séronégatif. Je vis avec le virus du sida depuis 1996. Je suis également membre du réseau national de personnes vivant avec le VIH ici au Sénégal. Je m'appelle Ismaël Aboudjabi. J'ai 45 ans, marié, père de 7 enfants. Je suis militaire de profession, de corps d'appartenance sapeur-pompier, de qualification infirmier. Je suis infecté par le VIH depuis 1996. Je vis avec le VIH depuis 1991. Voilà 14 ans que je vis avec le VIH. Car j'ai été dépisté en 1991. Suite à une longue maladie, j'ai été informé de ma séropositivité. Et la source de cette séropositivité, je ne peux pas dire où est-ce que je les ai pris. Le jour qu'on m'avait annoncé cette séropositivité, ce n'était pas facile, car de fan, j'ai été juste sur la corniche à l'université de Dakar. C'était quoi? Assis sur un rocher, là j'avais l'intention même d'aller me suicider. Mais je suis resté, j'ai fait des tours et des tours, et j'ai eu un regain de foi, ce qui m'a conduit à me ressaisir. J'ai pris le chemin du retour pour aller chez moi. Il y avait des vagues d'idées qui déferlaient. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Ainsi de suite. Mais toujours, il y a le vent de foi qui venait, qui m'encourageait, qui me soulageait. Et c'est ainsi que j'ai dit qu'il fallait que je reprenne conscience. Et c'est en cette période que j'ai commencé à me documenter. Je participe à ce film, c'est juste pour lancer un appel à la société sénégalaise pour que la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes vivant avec le VIH soient vraiment combattues. Et ça, je pense qu'on ne peut l'avoir si la communauté s'implique à nos côtés. Donc, je pense qu'il y a un soutien moral qui doit être apporté aux malades qui, aujourd'hui, peuvent donner une grande contribution à la lutte contre le VIH-SIDA en levant ce voile, en se montrant, en parlant de ce qu'ils sont. Donc, je pense qu'il est l'heure maintenant que des personnes vivant avec le VIH au Sénégal se montrent et parlent d'eux-mêmes. Nous participons à ce film, mais voilé, et on pouvait le faire à visage découvert si la mentalité des Sénégalais était en avance, car le sida n'atteint pas seulement des personnes sans vertu comme la majorité de la communauté le croit. Il atteint vos sœurs, vos frères, vos parents, et il est temps de soutenir ces personnes. Aucune personne vivant avec le VIH-SIDA n'ose parler à visage découvert à part Ismaël Koudjabi à la télévision. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de conséquences derrière ça. Tu peux être rejeté par ta famille, par la communauté et rien ne sera assuré pour cette personne-là. Tu n'as pas de prise en charge globale qui te permet de faire ce que tu veux. Et après, tu peux t'en foutre de cette stigmatisation et de ce que les gens vont dire. Mais si on est toujours sous le soutien familial, lever ce voile te met en face du rejet et tu ne sauras plus quoi faire et personne pour te soutenir. Chez toi, vraiment à l'aise, avec tes propres habits, pour me parler vraiment de ton problème, alors que là, tu ne peux pas. Là, actuellement, quel sentiment tu as par rapport à ça, quoi?
Cela me fait mal de ne pas être filmée chez moi, de cacher mes habits. Mais c'est dû à la peur par rapport à mon entourage, par peur de la stigmatisation à mon égard. C'est la famille de la personne qui discrimine qui fait des actes négatifs qui poussent la personne à souffrir de son statut. Par exemple, je prends un cas bien précis. On a un membre de notre association qui a dit un jour que dès qu'il sort des toilettes, sa mère prend de l'eau de Javel pour nettoyer avant que quelqu'un d'autre n'entre dans les toilettes. Tu vois ce geste-là? C'est un peu des gestes stigmatisants. La personne sent que les gens sont en train de la fuir. Quand par exemple, à midi, les gens mangent, on lui met son plat, sa cuillère et son pot à part. C'est juste pour lui rappeler que tu n'es pas une personne comme les autres. Tu vis avec une maladie. C'est peut-être toujours le manque d'informations au niveau de la communauté. C'est justement cela qui fait que les personnes vivant avec le VIH sont discriminées et stigmatisées. Il faut que nous sachions aussi le fait que les gens qui ont été en train de se faire. Les gens qui ont été en train de se faire, ce n'est pas parce qu'ils ont été en train de se faire. Ils peuvent être en train de se faire. Ils peuvent être en train de se faire. Mën nga nit ñi mën ngeen bokku yéré nit mënal abal yéré nga sol ko bo paré mu solat ko lool du wañi dara hmm parce que xam nañ né ci dérèn la xam nañ né ci manniw bi la xam nañ né ci ku ëmb mën nako wallu domam donc yaakar na né lek bék teud bék jaxaso bi ci biir kër bi koku wañi wul dara et nit ku nekk bo sañon bo nekké sa kër di nga feex di nga mëna waxtaan ak say rak rak say max ay ñom yaay sañ ay ñom papa donc yaakaarna né bu ñom ñëpp comprendre que yow mëno leena wal dara yaakaarna né fofu dënd bi dina neex yow sa xel dina dal ba nga xamné di nga mëna jog dem l'hôpital dem ñu topoto la di nga mëna jog séti sa ay xarit di nga mëna lepp li nga waron daan def di nga ko mëna def parce que sa xel dal na ndax amna ño xamné ñu ci kër gi dila jappalé et en dehors de ñi ci kër gi koñ ba ñom ñëpp c'est important parce que amna ño xamné ci biir koñ bi lañu rek ah diiw de dafa sew wala diiw de légui dafa joggé Abidjan wala diiw jëkkeer ji fofu la nek donc mën nga tok ci dëkk bi nga am doomu jangoro man je peux dire que je vis avec la discrimination à l'égard de tout le monde la société comme mon entourage parce que ici au Sénégal on n'accepte pas quelqu'un qui vit avec le virus. Et si tu vis avec le virus, on te dit que tu es une vadrouilleuse. C'est pour ça que tu es attrapée par le virus. Ce qui fait que c'est très très difficile de vivre avec le virus au Sénégal. Aujourd'hui, je veux parler de ma séropositivité, toujours pour aider les gens qui vivent avec le virus. Parce qu'ici au Sénégal, on te met en quarantaine. Et finalement, tu meurs tôt, seul, malade et sans soutien affectif. Taman, moi je me bats toujours pour vivre et ne pas être discriminée. Je fais de mon mieux pour vivre positivement ma séropositivité. Quand j'ai à blâmer, je blâme aussi les hommes comme moi et autres. Pourquoi? Parce que c'est difficile quand je vois des femmes dans le milieu associatif qui sont rejetées par le mari. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé déclarer leur séropositivité à leur mari. Et ce dernier, est-ce que ce n'est pas lui qui a infecté la bonne dame? Mais en retour, il rejette la bonne dame. Et je pense que avoir ça, les femmes sont plus, on dirait qu'ils sont plus courageux que les hommes. Ils supportent plus les hommes ne les supportent. En matière d'accompagnement même. D'accompagnement, tu vois, un homme qui est malade, c'est la femme qui se décarcasse, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe du mari alité. Mais au retour, quand la femme est alitée, le mari ne fait pas pour autant. Mais il y a des interrogations, il y a un travail aussi que nous, personnes vivant avec le VIH, devons faire pour essayer d'amener les autres à les conscientiser, à avoir plus de... Je ne dis pas plus... Plus d'affection envers leurs époux, envers leurs partenaires.
Nous devons beaucoup faire attention, surtout aux personnes, aux femmes vivant avec le virus, de les aider. Ne pas leur dire que c'était des vagabonds. Non, quand même. Qu'est-ce qu'on dirait d'une femme qui est là pendant 5 ans, qui attaque son mari, qui revient de l'étranger après, qui vient et qui l'infecte? C'est dire quelque part que la femme n'a pas la décision. La femme ne fait pas partie de la concertation. La femme, elle est là pour exécuter exclusivement. Et tant qu'on ne sort pas aussi de ces pratiques, on sera à porte-à-faux sur la prévention que nous voulons faire. Je peux parler d'un cas que j'ai vu et vécu avec une personne. C'est une femme qui était membre de notre association. Elle a vécu des moments très difficiles et douloureux jusqu'au moment de sa mort. C'est une femme qui a souffert toute sa vie. Elle n'avait plus où habiter. Elle a vécu dans une école avec ses enfants jusqu'au jour de sa mort. Pendant des années, elle se lève à 7 heures pour libérer la classe qui lui servait de dortoir avec ses enfants avant l'arrivée des élèves. C'est une situation qui nous a frappés parce qu'on n'avait pas les moyens de prendre une chambre en location avec ses enfants. D'autres problèmes qui surgissent, c'est le cas des EEV, des enfants orphelins du sida. On en voit que c'est des enfants qui sont aux côtés de leur grand-mère. La grand-mère n'ayant aucune ressource, garder cet enfant-là, qui devait être à l'école au même titre que ses collègues, qui malheureusement n'a pas de point d'appui pour s'inscrire à l'école, mieux pour assurer un état de santé parfait. Donc c'est des situations aussi auxquelles les associations de personnes vivantes font face pour essayer d'atténuer vraiment ces situations critiques. Pour parler de la stigmatisation au niveau des maternités, je peux dire qu'il faut une formation à tout le personnel de santé dans les structures sanitaires. Parce qu'il y a des sages-femmes, des médecins, des infirmières qui ont peur d'aider les personnes vivant avec le VIH qui viennent se soigner. Par exemple, les sages-femmes ont peur de la contamination parce que c'est une situation très difficile. Il y a beaucoup de sang. J'ai vu une membre de notre réseau qui, au moment de l'accouchement, n'a eu aucune aide. Elle a accouché seule, a coupé elle-même le cordon ombilical. Elle a tellement souffert qu'elle a perdu son enfant juste après. C'est seulement le lendemain que l'assistante sociale qui la suivait est venue et l'a aidée à se laver, à faire des choses. Mais c'était trop tard, son enfant est décédé simplement à cause de la bêtise humaine. Car ces mêmes sages-femmes aident des femmes à accoucher dont elles ne connaissent nullement leur statut sérologique. Confidentialité, c'était de la première fois, c'était à Sorano devant le président de la République. Quand je suis retourné chez moi, j'ai trouvé vraiment toute une cour pleine. Mais une semaine après, j'ai vu que les gens aussi, c'était l'inverse encore. Les gens venaient demander des explications. Et actuellement, je suis senti comme je suis très fort actuellement. Moi-même, je le sens que moi, je suis trop fort, je suis un roi quelque part, entre guillemets. Parce que j'ai senti que c'est les gens actuellement qui ont besoin de moi. À l'époque, je fuyais les médias et le truc. Mais actuellement, les médias m'offusent.
À l'heure actuelle où nous sommes, franchement, on ne devait pas avoir une seule personne qui est là, qui s'affiche, qui parle, alors que, par exemple, il y en a 2000 ou bien 8000 personnes qui sont là. Ce n'est pas seulement Ismaïla Gudiabi. C'est vrai que je salue son courage, je salue son acte qui est très responsable, qui est tellement valorisant pour la société sénégalaise, et que tout un chacun devait vraiment recopier sur cette personne qui est vraiment courageuse, qui a sa famille, qui a tout, et pourtant tout le monde le connaît. Mais il y en a d'autres qui sont là, mais ils ont peur. Ils ont peur de s'afficher, parce que si toutefois, par exemple, ils se demandent s'ils sortent à la télé et que les membres du quartier ou bien quelqu'un qui le reconnaît, ils pourront se retrouver dans des difficultés au niveau de leur quartier, au niveau de leur famille. Donc, ils ne sont pas encore préparés psychologiquement pour s'afficher. Ça se voit, ça se comprend. Mais, par exemple, prenons le cas de Bamako. Moi, j'ai été à Bamako. J'ai travaillé avec une association de personnes vivant avec le VIH qui se trouve à Bamako. Mais moi, j'étais vraiment étonnée. Parce qu'en arrivant là-bas, je pensais que peut-être ça, je vais voir la même chose ici qu'au Sénégal. Mais c'est le contraire que j'ai vu à Bamako. Ce sont des personnes vivant avec le VIH qui s'affichent, qui parlent à la télé, qui parlent à la radio, qui réclament leurs droits, qui réclament ce qui leur appartient, qui sont partout. D'ailleurs, la preuve en est que moi, j'étais partie avec un caméra comme ça, pour avoir des images au retour. En partant, je me suis posé la question, est-ce que je vais réussir? Parce que il faut tout le temps demander, monsieur, madame, si vous voulez bien que je vous filme ou pas. Mais j'étais très contente, je suis revenue avec plein d'images. Tous les gens ont accepté, toutes les personnes vivantes ont accepté d'être filmées. Ils m'ont dit, madame, mais il faut nous filmer? C'est quoi le sida? C'est quelque chose qui est là et que nul n'est épargné. Donc voilà, moi je ne cesserai jamais de prendre l'exemple de Bamako, parce que j'ai été impressionnée, j'ai été ébahie par leur comportement en tant que personne vivant avec le VIH là-bas. Donc c'est un exemple que chaque pays doit recopier. Ça m'angoisse quand on dit que le réseau ne fait rien, mais ils n'ont pas vu les acquis, car le réseau avait élaboré un projet qu'il a donné à l'Union européenne, qu'il a donné à la Banque mondiale. Et dans ces projets, il y avait des objectifs, et je pense que les objectifs sont atteints. Dans 11 régions, on a 13 associations en un temps record, en une année. Je pense que les acquis sont là. Et quand on dit encore, bon, c'est pas comparable aux associations de la sous-région. Moi, j'ai fait la sous-région, mais je pense que dans les pays limitrophes du Sénégal, ce qui se fait concrètement au Sénégal, on ne le voit pas. Avoir, lors de la conférence de Dakar, le salon des personnes vivant avec le VIH, les personnes vivant avec le VIH venant de toute l'Afrique étaient venues, mais étaient émues du rôle que jouaient les personnes vivant avec le VIH au Sénégal. Il s'avère qu'au niveau de certains pays tels que le Mali, le Burkina Faso, la visibilité des personnes vivant avec le VIH est beaucoup plus accentuée que dans notre pays. C'est très normal. C'est très normal parce que, en fait, quand on prend un pays comme le Mali, un pays à 90,9% de musulmans, mais qui ont eu à faire de grandes sensibilisations au niveau des mosquées, au niveau des rencontres, et qui ont eu même à encourager le premier cas qui s'est porté volontaire de lever la confidentialité, mais qui même a eu l'ordre national du Lion par le président de la République. Au Burkina Faso, s'est passé la même chose. Donc aujourd'hui, toutes les personnes voudraient aussi être visibles à ce niveau. Ce qui fait qu'il y a un grand écart entre ces pays et le Sénégal aujourd'hui, où moi je suis le seul à m'afficher et avec, comme je l'ai dit, sans indicateur d'encouragement ou de découragement. Tu rencontres quelqu'un qui te dit, mais même en temps fermé, c'est bien ce que tu es en train de faire, mais tout au fond de son cœur, ce n'est pas ça. Elle nous dit sa parole, on est sa parole. Dans l'ignorance.
Mariama, ce que je voulais dire, c'est toujours par rapport à la voile. Vraiment, il y a certaines personnes aujourd'hui qui profitent de l'occasion de la non-visibilité des personnes vivant avec le VIH pour vivre sur leur dos. Je profite que l'occasion m'offre ce film pour lancer un cri de cœur en direction de ces gens-là. On en a assez. Il est temps que les fonds arrivent aux bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes vivant avec le VIH. Aujourd'hui, si ce n'est pas la peur de la stigmatisation, j'aurais levé le voile pour dénoncer certaines situations pour que ça ne se reproduise plus. Vu mon statut de travailleur social qui doit aider les gens, moi je ne peux pas voir une personne qui souffre et rentrer chez moi, manger mon plat et dormir. Ça c'est un poids qui est trop lourd chez moi. Alors que je vois, chaque jour je rencontre beaucoup, chaque jour des gens qui ont ces problèmes, problèmes de transport. Et même ces gens-là, des fois, avec leur petite causerie, ils disent que où est l'argent du sida? On nous dit que chaque jour, on entend à la radio, il y a des millions, il y a des tant qui sont là. Et nous, personnes vivant avec le VIH, on ne voit pas cet argent. Des fois, j'entends ces causeries-là, je viens dans mon bureau, je suis en train de méditer. Je me dis, mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Parce que s'ils retrouvent, ou bien s'ils sont toujours confrontés à des problèmes de manger, ou bien de transport, ou bien de scolarité, peut-être quelque part, ils ont raison. Ces millions qu'on entend, peut-être, en tout cas moi personnellement, franchement, ce que je dis, je ne suis pas en train d'accuser personne, je ne suis pas en train de dire à une tierce personne que l'argent ça a été ainsi de suite, mais je raconte de façon naturelle ce que je suis en train de vivre et les problèmes que je vois tous les jours dans le cadre de la prise en charge psychosociale. Les problèmes que je vis tous les jours, sincèrement, ce sont des problèmes le plus souvent d'ordre financier pour ces patients qui ont besoin le minimum pour avoir une bonne prise en charge. Et ces patients-là ne l'ont pas. Ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont pas le transport. Ils n'ont rien pour leurs enfants. Donc moi, si c'est des problèmes, je me dis où est l'argent. Moi-même, je pose cette question. Où est l'argent du SIDA? Je ne le vois pas. Par rapport au financement, là vraiment, il y a des cas à revoir. Parce que quand on veut considérer les associations de personnes vivant avec le VIH, au même titre que les associations de lutte contre le sida des quartiers ou de trucs, ce n'est pas la même chose. Ça, il faut que les gens savent. On n'est pas dans le même statut. Bien qu'on prenne la même cause, mais on n'est pas les mêmes. Nous sommes d'une part bénéficiaires et d'autre part, nous sommes des acteurs. Donc le privilège doit vraiment être à nous. On doit nous privilégier plus que des autres associations. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de tout. On leur a toujours dit, moi personnellement, en tant que coordinateur, qu'il ne faut pas qu'ils s'attendent de technicité chez nous. Nous, rien n'est plus technique que de vivre d'abord avec son infection. Toutes les techniques se trouvent là. Si maintenant les gens veulent, en dehors de ça, avoir d'autres techniques, je pense que ça c'est au plus. Que les gens comprennent que l'argent là, c'est pour nous. Ils n'ont qu'à se démerder à nous donner cet argent là, quelle que soit la forme. On a des problèmes, on bloque des projets des gens, on bloque nos activités, on dit pour dire que vous n'avez pas mené tel ou tel site. Alors que concrètement, nos objectifs sont atteints. Nous, quand on élaborait, on leur a bien dit que nous ne sommes pas techniques, mais vous aurez des résultats. Et les résultats là sont acquis aujourd'hui. Pourquoi maintenant les gens vont bloquer des parce qu'il y a des associations qui n'ont pas rempli leurs conditions et qui ne sont pas nos associations. Il y a un réseau pour des associations de lutte contre le sida et il y a un réseau pour des associations de personnes vivant avec le VIH. Comme je le disais, on en a assez des séminaires et ateliers.
parce qu'on n'a pas vu une amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH. Il faut descendre sur le terrain pour voir la réalité. On dépense par exemple 1 à 2 millions dans un atelier. Pourquoi ne pas donner cet argent pour faire des activités génératrices de revenus? Mais quand on parle d'activité, les gens donnent des 100 000 francs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 100 000 francs? Si on achète un sac de riz, paye le loyer, le reste on peut juste payer son transport avec? Je pense quand même, en toute chose, il faut être nuancé. Effectivement, on a souvent l'impression qu'il y a trop de colloques, de séminaires, d'ateliers, etc., etc. Je veux parler vraiment en ce qui concerne les journalistes. Effectivement, moi-même, j'ai eu à participer à beaucoup de séminaires et d'ateliers. Mais au fond, c'est ça, ce genre d'activité m'a permis de bien me former. S'il n'y avait pas ces ateliers, ces sessions de formation pour assurer une forte implication des médias dans la lutte contre le sida, que se passerait-il aujourd'hui en ce qui concerne la stigmatisation, par exemple? Déjà, il y a une stigmatisation, une discrimination latente dans notre société vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Elles s'en plaignent d'ailleurs. Mais si la presse n'était pas suffisamment sensibilisée pour participer à la lutte, pour faire reculer la stigmatisation et la discrimination, on serait dans des situations extrêmement difficiles parce que peut-être que la presse allait faire du sensationnalisme et contribuer peut-être à ancrer la discrimination. Je pense que ça, c'est très important. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que cette formation, cette implication des journalistes, cette formation des journalistes pour améliorer leurs compétences dans la lutte contre le VIH/SIDA, pour comprendre les concepts, comprendre comment fonctionnent les programmes, pour comprendre pourquoi on doit lutter contre le VIH/SIDA, pourquoi nos États doivent lutter contre le VIH/SIDA, pourquoi nos communautés doivent se mobiliser contre le VIH/SIDA, pourquoi les familles doivent protéger les enfants, les femmes, etc., etc., pour lutter contre le VIH/SIDA. Si on n'avait pas sensibilisé les journalistes pour contribuer à diffuser la bonne information, parce qu'au fond, rappelez-vous, il n'y a pas de vaccin pour combattre le sida, il n'y a que la prévention. Si les journalistes n'étaient pas bien formés, bien sensibilisés pour pouvoir dire aux familles « Attention, protégez vos enfants, protégez-vous, restez fidèles, ou utilisez le préservatif, etc. etc. » Mais ce serait très grave. Donc je pense qu'il faut être nuancé. Une partie de cet argent, je pense, a été bien utilisée. Moi, je suis positif. Je pense que ça a permis aux médias d'être impliqués dans la lutte et de contribuer à la promotion de la prévention, des mesures de prévention. Ça, je pense que c'est positif. Maintenant, je comprends l'émotion des personnes vivant avec le VIH en pensant que, bon, il y a trop de colloques, de trucs. Mais ça, je pense que on devrait faire attention. Je pense que souvent, quand on parle, on devrait s'appuyer sur des chiffres, sur des études. Il faut montrer que ça, c'est inutile. Le jour où moi, en tant que journaliste, j'aurai un document pour montrer que tout ce qui a été fait en colloque, en séminaire, c'est inutile, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, j'écrirai volontiers un article. Mais pour le moment, je pense qu'une partie de l'argent a été bien utilisée pour former les journalistes, pour assurer une bonne implication des médias. De notre pays, au niveau du Sénégal, l'État a beaucoup fait pour soulager un peu les PVH. Et si, par rapport aux autres pays de la sous-région qui prennent en charge presque tous les frais thérapeutiques pour le VIH-SIDA, vous voyez que l'État a beaucoup fait. Parce que actuellement, les ARV sont donnés gratuitement. Les médicaments pour les infections opportunistes sont donnés gratuitement. Sauf, bien sûr, certains produits que le service ne détient pas, surtout pour certaines spécialités. Ce qui pose problème actuellement chez les PVH, ce sont les bilans de suivi. Les bilans de suivi, l'État ne peut pas tout prendre en charge. Il faut quand même une participation de la population de PVH. Et sur ce bilan de suivi, ce sont des examens qu'il faut faire au moins tous les 6 mois. Mais il y en a qui n'ont rien absolument. Si on n'a pas de quoi manger, on n'aura pas de quoi acheter un médicament ou faire un bilan complet. Or, que les malades qui sont sous ARV ont toujours besoin d'être suivis médicalement.
surtout sur le plan biologique ou biochimique. Donc, il faut qu'ils participent pour certains examens, mais le plus souvent, on n'arrive pas quand même à les faire suivre ça correctement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. Les frais qu'il faut. Donc, ça fait partie des problèmes les plus aigus que nous rencontrons chez le PVH. Si on ne peut pas collecter de quoi faire, de quoi payer les bilans tous les 6 mois, on ne peut pas se nourrir correctement. Vous voyez, là, le seul salut, c'est de la gratuité de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut apporter chez les PVH. Déficience acquis, lolo mo isida, nit mënu ko fek. Waji dem fenen, jele fa sida, delu kërëm walu ko ñenti jabaram. Mon cursus peut-être et ma formation en tant qu'enseignant spécialiste du droit musulman, de la civilisation islamique, mais également secrétaire général du réseau Islam et Population, donc une association qui s'occupe des questions de population, parmi lesquelles les questions de SR, de santé de la reproduction et forcément donc la question du VIH, le SIDA. Disons, tout cela m'a entraîné à me préoccuper du VIH, de la question du VIH-SIDA et également de la question des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Ce qui fait que nous avons travaillé au niveau du réseau Islam Population dans le cadre de nos différentes activités à faire des sensibilisations sur le VIH-SIDA, sur la transmission du VIH-SIDA et sur la prévention du VIH-SIDA en nous fondant sur les enseignements de l'islam. Parce que souvent, on entendait certains prédicateurs dire que le VIH-SIDA c'était une malédiction, que c'était un mal qui n'affectait que les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui faisaient le péché, que c'était un mal qui était le mal des prostituées, qu'ils soient des prostituées mâles, qu'ils soient, ou bien qu'elles soient des prostituées femelles. Donc notre objectif était de faire comprendre que la malédiction en tant que telle ne pouvait être retenue en ce qui concerne le VIH-SIDA. Par contre, on pouvait considérer que le VIH-SIDA, c'était une épreuve devant toute l'humanité, une épreuve devant les musulmans, devant les croyants, devant les non-croyants, et apporter, disons, donner aux jeunes des pistes pour qu'ils sachent comment faire face à cette épreuve-là. Ensuite, puisque le VIH-SIDA était une maladie qui pouvait être transmise de façon précise, de façon déterminée, une manière que tout le monde connaît, on demandait aux jeunes, on inculquait aux jeunes, pas seulement de savoir, dire on peut éviter le VIH-SIDA en faisant ceci, en faisant cela, en faisant cela. Ça, c'est, on peut réciter, disons, toute la panoplie qui permet d'éviter le VIH-SIDA sans pour autant éviter le VIH-SIDA. Donc notre objectif, c'était non seulement de faire connaître cette panoplie-là, mais également d'entraîner les jeunes à s'approprier les comportements, les meilleurs, à s'approprier ces compétences-là, ces ressources-là, à faire de sorte qu'ils aient une habitude
à éviter le versinat par leur comportement de tous les jours, en se fondant sur les enseignements du Coran, sur les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et sur la connaissance du versinat. Si l'on croit que le versinat c'est une malédiction et que c'est une maladie qui affecte seulement ceux qui ont péché, on peut avoir une sorte de mépris pour soi lorsqu'on est atteint par le versinat. En se disant que moi, c'en est fini de ma vie. D'abord, je suis malade d'une maladie inéluctablement mortelle, mais ensuite, je suis maudit par Dieu, je vais en enfer. Alors, tout cet ensemble de, disons, de points vont entraîner une sorte de, d'appréciation négative par rapport à soi-même et par rapport à son destin, par rapport à son avenir ici-bas et dans l'au-delà. Et il n'est pas bon pour la personne d'avoir ce mépris pour soi-même alors que Dieu lui a donné une certaine dignité, une certaine honorabilité, et que même avec la maladie, et cette personne doit rester avec cette honorabilité et cette dignité là. C'est pas parce que nit ki da fay def lu bon motax mu am ko waxna ko sank ci kanam, donc nit ki meun nako am ta demul dikul, et donc il faut que ñu xam naka lañuy def pour am ko, pour jëm ko moytu. Et donc buñ ñu gis nit ki mu am ko rek ñu commencer tek lu bon ci deram. Donc lolu ñuy tek ci lu bon, lolu ñuy tek ci deru nit ñi, motax nit ñi bugguñu dem di séddi seen yaram pour xam lan lañu am. Motax nit ñi am na ño xam dañ koy am sax deñ seen résultat de seen cœur, tak seen jabar continue dund seen dund, parce que dañoo ragal famille bi lañuy tok ñu naan waaw yow do tak jabar yow wala do ut jëkkeur yow yaangi am ñen fukki at légui, mais ku ci nekk dang koy laaj tok waxtaan ak sa jabot di leen expliquer, wax ko ne ko même bu amé lu ci nekk sax wax ma. So ma waxé ñun ñolu jur yaaka naan dañ la mëna dimbalé bu baax, wala ñun sa ay rak lañ, wala sa ay mag lañ, dañ la mëna jappalé bu baax. Mais bu féké nit ñi woné wuñu ko ni war mëna ñu dimbalé ki nga xamné dafa am doomu jangoro bi ci dundam, yaaka naan nit ñi aussi duñu ñëmé wax ak taan ak kenn, duñu ñëmé wax seen famille ñu am, bo leen takalé jabar duñu mëna wax jabar ji luñu am, ñu continue di ko dundu. Et bu boba nak doomu jangoro day gëna law, bu gëné law nak même ñun suñu ay doom ëlëk mën nañ ko am doomu keneen ak keneen ak keneen. Donc yaakaar naa ne il faut que ñu jóg ñun ñëpp ñu takku, parce que ñun ne épargné. C'est difficile, c'est très difficile de gérer une telle situation, de lever une confidentialité, ce n'est pas facile. L'opinion est libre, mais l'acte qui est sacré. Si je m'aventure à faire une telle responsabilité, je pense que j'ai besoin d'un feedback, soit des blâmes, soit des encouragements. Étant donné que moi je suis militaire, donc j'ai besoin chaque année au moins qu'il y ait une correspondance qui part du CEN vers le groupement national des sapeurs-pompiers où je dépends. Mais jamais de notes, il n'y a rien, je ne sais pas ce que je fais, c'est ça. Ce n'est pas ça, je ne suis même pas au courant de ça. Donc, moi, quelque part, j'ai dit, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter ce que je suis en train de faire pour voir comment le faire. Mais sur quelle indication aussi, sur quel indicateur je dois me baser pour arrêter ou pour continuer. Voilà quelques éléments qui me découragent dans mon passage. Mais néanmoins, je pense que les gens se découragent très vite une fois qu'ils sont atteints par la maladie. Ndax nit ñi une fois ci da dugg seen biir yaram pour ñom jeex na abana, c'est fini, duñu xalaat lenn lul dé suba ak ngone. Dafa melni seen néw lañuy janol. Té pourtant amna yeneen nit yo xamni des gens qui vivent avec d'autres maladies aussi mortelles que le sida. Amna ñuy doxonto diabète, ñi di doxonto cancer. Mais si biiru mu gëna tuuti mi nga xamni mom lañu gëna xeb, limay ray ci at sida rayu ko. Mais dañu jël sida diaboliser ko au point ko xamni ku ko dégg daw. Te or que le problème du sida est encore bien plus complexe, parce que sida dafa nek fièvre bu jël temps. Lutax fièvre bu jël temps? Parce que avec le sida, tu as le temps d'être infecté, de sentir, de souffrir et de mourir. Ta jamono bob, c'est les pires moments où tu as plus besoin nga gis say mbok, say xarit, say am di jam ak nga sekhal jam. Mais malheureusement, c'est le moment où tu es plaqué par tout le monde. Lutax ma waxé non, c'est parce que man sama bop, j'ai eu à vivre des moments pareils ak sama yaay di ma jour nday du jour di bagn. Mais sama yaay bi mu xamé né dama am sida dafa delu don sama non di ma toroxal. Gis nga dem nañ ay jamono damay tok man kessé suba ak ngone sama nek, duma lek duma nan. Je restais une journée seule dans ma chambre sans manger ni boire. Mu metti won lol nak toute seule face à ma souffrance et à ma détresse. Kenn mo doon ñew ci man di ma xol tard dans la nuit muy sama papa, nak jamono bop mi ngi doon dund laaj ma sama wër di yaram. Tay ma ngi sa ñëgal yalla, xamna yaakarul won sax dina ma jitu.
waye mang koy geureum diko sante ndax mbeugel ak tiofel assistance bi mu amone ci man taxna ma puiser courage si amour bobu mu ma don témoigner ba xey suba accepter sama destin djema xol sama fever comme étape de ma vie bu ma wara djegi xol ko comme une épreuve bu ma wara surmonter. Voilà, c'est un document qui parle du sida, ce qu'ils ont dit sur la pandémie du sida. Et j'ai lu un poème qui m'a beaucoup touchée et émue d'une jeune fille qui est en classe de 5e. Sida, désespoir du monde, dispersion des foyers, dépression des atteints, désaccord des vêtus de blanc, syndrome décourageant, sans frapper, tu entres et disperses les familles, sans prévenir. Tu te présentes et anéantis toute une vie. Sais-tu d'où tu viens? Peur du monde, peur des nations, peur des familles, peur de l'individu. Redouter des blancs, redouter des noirs, redouter des jeunes, redouter des vêtus de blanc. Tout un monde se dresse contre toi. Tout un monde pensant à ce que tu leur as arraché te demande de quitter les lieux où sème la peur, le désaccord, la méfiance. Ce monde ne te demande rien d'autre que de lui redonner confiance en la vie, en lui, en l'espoir. Je pense que plus on avance, plus on doit mieux cibler, plus on doit veiller sur les groupes, etc. Tout ce qui reste en arrière, on doit se retourner et les prendre en charge. Non pas se dire que bon, le Sénégal, c'est un bon exemple, on est à 1,4. 1,4, ça cache beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut tirer le rideau et voir ce qu'il y a derrière et travailler. Annasu iyalullah. Nit ñepp njabotu yalla lañ. Légui nak mu ne ki gëna jariñ, ki gëna jégué yalla. Yalla gën ko sopp mom moy ki ëppal njariñ njabotu yalla gogulé donc ki ëppal njariñ nit ñi mo gëna jégué yalla mom la yalla gëna sopp donc nit ki nga xamanteni ni fièvre bi dal nako doko xolé julit doko xolé chrétien mais donc la xolé nit njabotu yalla amna natou bu ko dal té yow bëgg nga yalla bëgg la yow sula so sañon yalla sopp so sañon nga jégué yalla. Te voici un moyen yon ngi ni bo xamne bo ci jaaré di nga jégué yalla yalla dina la bëgg mom moy nga jariñ njabotam nokoy jariñé mën nga ko jariñ par le conseil manam lima wax sank dello ci wat ko su fekente ni ni dafa juumon jaar yon wudul nonu ben mais ñaarel ba nga jariñ ko également ci fajj gi nga xamne war nañ ko ko mëna fajj nga jox nga fexé ba mo am garab yi nga xamne mom mo koy permettre mu wañi metitam ak douleuram ñettel ba meun nga ko jariñ ci won ko ni doomu adama nga comme yenen doomu adama yi te doomu adama rek la yalla di nattu te nattu yalla nga am fexé ba bañ ko boddi bañ ko xol beut bo xamne comme li ñuy wax melni beut bu tang bu melni bu ko xolé sax daf koy ñaas ba fu mu rombu ñu ne hey diwa nga ne mo fi def nangam mo fi def nangam te yalla sax dafa bëgg ku sutural nit ñi mutasawwifun yi dañu bëgg ku sutural nit ñi parce que quand au fond ken xamul fooy mujjé yalla nañu yalla defal ñu ñep mujj gu rafet. Vous savez on dit que y a des gens qui sont infectés. Moi je ne suis pas infecté mais je suis affecté. Généralement les gens pensent que c'est affecté c'est parce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui porte la maladie. Non, mais parce que moi je suis convaincu que il faut être aux côtés des gens qui luttent contre le VIH-Sida, aussi bien les responsables de programmes, les ONG, les personnes vivant avec le VIH-Sida, pour les accompagner dans la lutte. Mon rôle, moi journaliste, c'est d'expliquer pourquoi il est important pour le Sénégal de ne pas dépasser 1,4 et même de faire descendre la barre. Je pense que c'est extrêmement important parce que plus des gens meurent, plus on perd des cadres. Et tout le monde le sait, le sida fauche les forces vives de la nation. Entre 15 ans, 45 ans, c'est vraiment la tranche d'âge qui est très très touchée. Et si le Sénégal perd, on perd des cadres. Moi je pense que je suis affecté parce que je pense que un décès est toujours un décès de trop. Et un jeune ne peut pas mourir à la fleur de l'âge, un adulte dans la force de l'âge mourir, je trouve ça inadmissible. Surtout que
par mon travail, je peux les sensibiliser pour leur dire, attention, le sida est une maladie, ça existe, c'est un danger, vous risquez votre vie, mais il n'y a qu'un vaccin, c'est la prévention. Soyez fidèles, prenez un préservatif, etc., etc. On connaît le truc. Moi, mon rôle, c'est de le dire. Modestement, mais je dois le faire. C'est mon boulot. Je suis affecté et je me bats pour que le sida recule. Quelquefois, après un counseling, il m'arrive de m'enfermer dans mon bureau, de réfléchir par rapport à tout ça. Et c'est très difficile. Et ce que vivent ces gens-là, c'est la même chose que ce que nous vivons. C'est très difficile. Quelquefois, tu descends. Tu n'as même pas envie de manger. Tu es là, tu penses à ces gens-là. Donc, on est obligé nous-mêmes de faire un tout petit peu le vide pour pouvoir nous consacrer à notre famille. Et ça te prend énormément de temps. Il faut être engagé, motivé, disponible pour pouvoir aider ces personnes vivant avec le VIH. Sinon, ce n'est pas possible. C'est des personnes qui ont besoin de tout un chacun, mais qui ont besoin d'un appui, mais un appui qui soit vraiment positif, mais pas un appui négatif. D'une attention très particulière qui pourra les aider à vivre positivement leur séropositivité, à pouvoir se consacrer à leur mari, à leurs enfants, donc à leur famille de façon plus élargie. Si je dépends de mon frère, et que je vois que mon frère ne veut pas qu'on parle de VIH-Sida, hein? Je ne vais pas dire que je suis un porteur du virus, parce que sans ça, on va me rejeter de la maison. Où est-ce que je vais aller? Je ne sais pas, mais si tu es indépendant, tu peux payer ta location toi-même, tu ne dépends de personne, tu peux manger à ta faim, boire à ta soif, hein? Et le tout à tes frais, tu peux faire du sida ton ami et ton grand ami, comme j'en ai fait moi, le virus que j'ai connu, j'en ai fait un ami. Pourquoi? Parce que à cause du virus, j'ai perdu des amis, à cause du virus, j'ai perdu des parents. Et tout ce que j'ai perdu, c'est sûr que je ne pourrais plus le rattraper. Pourquoi je ne pourrais plus le rattraper? Parce que je ne vais plus m'approcher de ces gens pour les obliger de retourner vers moi. Je les ai perdus, mais la cause qui a fait que j'ai perdu et que je vis avec, j'en ai fait un ami. Mon virus est mon ami. J'ai mon virus, j'ai ma femme, j'ai le milieu associatif qui est là, qui sont les personnes vivant avec le VIH, avec qui je me sépare. Parce que si j'ai des problèmes, bon, je ne vais pas aller voir un parent proche pour lui dire ou bien un ami que j'ai tel et tel problème. Non, je vais voir mon père, avec qui un père, c'est-à-dire un ami du milieu associatif, un ami infecté comme moi, avec qui je partage ces problèmes. Ensemble, nous allons trouver des solutions pour régler, régler ces problèmes. Donc, le VIH est devenu vraiment mon pire ami. Je parlais toujours de la stigmatisation et de la discrimination liée au VIH-Sida. Aujourd'hui, le plus grand problème des personnes vivant avec le VIH, c'est cette stigmatisation et cette discrimination qu'ils ont à travers leur entourage, à travers leurs parents, à travers la communauté. Et cette stigmatisation aujourd'hui est facteur de la mortalité de beaucoup de personnes vivant avec le VIH, même ceux qui sont sous traitement antirétroviral. Parce que nous avons constaté ces dernières années que les personnes qui sont mortes en général ont eu à surmonter une psychose. Et cette psychose qui était à l'origine vraiment de leur mort. Et aujourd'hui, moi j'en suis sûr et persuadé, parce que quand je prends mon exemple, que le sida ne me tuera pas, mais certainement cette discrimination et stigmatisation qui va vraiment me tuer. Et la plupart des gens, surtout les femmes, qui sont très susceptibles au comportement négatif, elles ont succombé à travers ce comportement que le public a envers leur entourage. Et là, je lance un appel à toutes les personnes, à toute la communauté, d'aider aux personnes vivant avec le VIH, non seulement de surmonter leur maladie, mais également d'épargner, d'éradiquer vraiment la stigmatisation et la discrimination qui sont aujourd'hui des facteurs mortels pour ces personnes vivant avec le VIH.
Vivre avec le virus du sida, c'est la même chose que vivre avec un diabète. L'important, c'est de vivre positivement son statut et aider ses pères pour qu'ils vivent eux aussi leur statut positivement. Je sais qu'un jour ou l'autre, je vais mourir. Que ce soit un accident de la circulation, que ce soit un palu ou même du sida, ce n'est pas mon problème. De toutes les façons, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est de gérer ma famille. Mon enfant, le reste, ça ne me concerne pas. Je m'en moque complètement. Le plus beau souvenir, je te dis, c'était le jour que j'ai eu à lever la confidentialité pour la première fois. Parce qu'il y avait des enjeux que moi je n'avais pas calculés et qui se retombaient. Bon, mon plus beau souvenir, car je me disais que bof, bof, je n'allais plus me marier. Mais je me suis remarié et je pense que je vais faire des enfants. Le plus beau souvenir de ma vie, c'est quand je me suis remariée. Parce que je veux symboliser mon droit à la vie et mon bataille que j'ai menée pour ne pas être discriminée ou ne pas lâcher carrément. Mon plus beau souvenir dans la vie, c'est quand on m'a annoncé que l'enfant que j'ai eu était séronégatif. Je ne lui ai pas transmis le virus du sida. C'est mon plus beau souvenir. Yeah.